Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo pyjama party. Je vous invite au lit avec moi. On va discuter un petit peu rapidement de ce qui se passe dans ma vie. Pas parce que c'est intéressant, mais parce que j'ai besoin de vous, en fait, pour m'aider, pour m'aiguiller, pour me... Voilà, pour m'aider. Je vais vous la faire très courte parce que c'est pas hyper intéressant pour vous, mais... J'ai besoin de votre avis. Je vais mettre un sondage après, je pense, en barre de description. Je ferai un short, je ne sais pas. Mais il y aura un sondage lié à cette vidéo, c'est sûr. En 2021, pardon, le 4 février 2021, je vous ai fait une vidéo sur une personne que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle VTA. Je vous invite à aller voir la vidéo. Elle s'appelle... Pardon, j'ai un cheveu dans la bouche. Ça veut dire quoi ça? Elle s'appelle De la tendresse, 4 février 2021, De la tendresse. Donc pour ceux qui ne me suivaient pas à l'époque là, je vous invite à aller voir la vidéo pour connaître un petit peu le contexte de notre rencontre avec cette personne, de qu'est-ce qui s'est passé, etc. Vous en aurez besoin pour comprendre l'histoire. Donc, pour ceux qui ont déjà vu l'histoire, la semaine dernière, donc comme vous le savez, VTA et moi, on n'a pas gardé de lien. Il n'a pas Facebook, il n'a pas d'internet. Il n'est pas branché technologie. Et on n'a pas gardé de lien dans notre vie actuelle. Pas par mon choix, c'est lui qui en a décidé comme ça. Et pour être très honnête avec vous, moi je l'ai perçu comme quelque chose de... Comme du je m'en foutiste en fait. Pour moi, ça voulait dire qu'il tenait plus à moi, que je comptais pas pour lui. C'est comme ça que je l'ai perçu. Je dis pas que c'est comme ça que c'était vrai. Je dis pas que c'était vrai, mais c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Pardon, j'ai plus de voix. Pourtant, j'ai pas le Covid, mais... Et donc... Attends, un instant. Ok. Donc oui, je rêvais régulièrement de VTA. Ces derniers temps, c'était vraiment très fréquent. Ça fait, j'ai toujours rêvé de lui tout au long de ma vie, mais ces derniers temps, c'était vraiment très présent. Au point où je me disais, ça me saoule, c'est soit il fait partie de ma vie, soit il n'en fait pas partie, mais il faut que j'arrête de rêver de lui tout le temps parce que ça me bloque en fait. Si vous voulez, je suis très heureuse dans ma vie actuelle. Je suis heureuse avec mon mari la plupart du temps parce qu'on est comme tout le monde, on a nos quarts d'heure. Mais je suis très heureuse dans ma vie. Mais j'ai l'impression de ne pas. J'ai l'impression d'être bloquée sur certaines choses. Et notamment sur cette relation passée. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être bloquée, mais c'est comme ça. Ça ne s'explique pas. J'ai l'impression d'être bloquée, de ne pas avancer à cause de cette relation passée. Et donc en 2020, j'ai rêvé que lui et moi, on se retrouvait dans un tribunal où il montait les marches et il me disait adieu. Je le suppliais de ne pas me laisser. Il se retournait, il me disait adieu. Il m'embrassait. Et il ouvrait une porte, il partait avec une femme. Donc bon, voilà, je l'ai raconté à ma collègue parce que c'était un rêve qui m'avait un peu perturbée et qui m'avait beaucoup inquiétée. Sur sa santé, sur... C'était un vrai au revoir, c'était un vrai adieu. Vous voyez, donc ce rêve m'a fait peur. Et donc, je l'avais dit à ma collègue et j'avais envoyé un message à sa sœur en lui disant, écoute, je suis désolée de déranger, mais je veux juste savoir s'il va bien parce que je fais des rêves de plus en plus étranges et je sais pas. J'avais pas eu de retour. Donc j'ai dit, bon, j'ai pas de nouvelles et puis c'est tout, ça passera. Fin d'année dernière, donc fin 2021, je rêvais beaucoup de lui et je disais à ma collègue, c'est bon, ça me saoule en fait, il veut quoi en fait? Parce que pour moi, on rêve pas d'une personne par hasard. Si on rêve d'une personne, c'est qu'il y a forcément quelque chose, il y a un message derrière. Quand c'est une fois, je veux bien, mais quand c'est tout le temps récurrent, ça, je dis, c'est pas possible, il y a un truc. Et j'ai dit à ma collègue, c'est soit il fera partie de ma vie, soit il en fera pas partie, mais il faut que ça s'arrête. Et donc, quand j'ai eu le Covid, donc en fin septembre, début octobre 2021, ma patronne m'avait envoyé un site internet avec plein de liens, avec plein de podcasts différents. J'avais écouté le premier qu'elle m'avait envoyé et j'avais laissé les autres de côté.
Et la semaine dernière, je me suis dit, la semaine dernière ou il y a 15 jours, je me suis dit, bon, je vais réécouter un podcast. Et je suis tombée sur un podcast qui s'appelle La peur des hommes. Je vous le mets d'ailleurs dans la description de cette vidéo. Et quand j'entends ce podcast, j'entends la voix de VTA. Donc là déjà, mon cœur s'arrête parce que je suis complètement hallucinée. Je crois que c'est le terme. Je suis hallucinée. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'énormité de ce truc. Attendez, bougez pas. Ok. Vous vous rendez compte de l'énormité du truc. Sur Internet. Sur toute cette toile. Immense toile mondiale. Ma patronne m'envoie le lien d'une vidéo dans laquelle il participe. Déjà ça. Pour ceux qui pensent aux connexions, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, j'ai mon cerveau, il a poqué. Bon, déjà ça. J'envoie ça à sa sœur en disant c'est bien lui au moins parce que j'hallucine peut-être. Et donc je discute avec sa sœur, elle me dit que oui effectivement c'est bien lui, qu'il s'est marié avec la réalisatrice de ce podcast en 2020. Donc là quand elle m'annonce qu'il est marié en 2020, je vous explique pas. J'étais en train de dire, c'est en 2020 que je rêve qu'il me dit adieu et c'est en 2020 qu'il se marie. Qu'est-ce qui se passe dans cette tête? Donc, ok, je reçois cette information et bon. Donc, je le félicite, enfin, je félicite sa sœur puisque j'ai pas de contact avec lui actuellement. Et ça passe, voilà, c'est fini. Voilà, j'ai eu l'information. L'histoire arrive à terme, si vous voulez. Je l'ai entendu, je suis tombée sur lui, j'ai halluciné, j'ai envoyé un message à sa sœur, j'ai eu des infos de ses nouvelles. L'histoire se finit là. Sauf que non. Puisque quelques jours plus tard, je commence à avoir une journée de merde. Mais quand je vous dis une journée de merde, c'est une journée de merde. C'est j'arrête pas de casser des trucs, je me blesse, c'est la merde. Et donc je dis à l'univers, c'est bon l'univers, si t'as quelque chose à me dire, arrête de faire ça, quoi, sois plus clair, parce que j'ai là c'est bon. Et au moment où je dis ça, le téléphone sonne. On me demande un résultat médical d'une personne dont le prénom est, je vous le donne en mille, le VPA. Donc je demande confirmation à ma collègue secrétaire, je dis, il s'appelle quoi? Je dis, ok. Je raconte ça à ma collègue l'après-midi, je vais te rendre compte, c'est dingue quand même. Et donc VPA, en français, ça serait, c'est le prénom Vincent. Et donc, je parle de ça avec ma collègue, je dis, mais c'est dingue, tu te rends compte, au moment où je dis ça, ça tombe et tout, et j'ouvre un prélèvement, et c'était le prénom Vincent. Moi, ça me fait halluciner, en fait. Dans la même journée, il y a son prénom en dialecte, et son prénom français qui est ressorti. Deux fois dans les premières choses de la journée. Premier appel et premier prélèvement. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que je dois faire de ces messages. Mais moi, je trouve ça juste énorme. Ça me perturbe beaucoup. Je vais pas vous mentir, je dors pas parce que je sais pas quoi en faire. Je sais pas si je dois être honnête à 100% avec sa sœur sur le fait que j'ai été blessée par son frère. D'avoir été ghostée comme ça, j'ai été blessée. Donc, je sais pas quoi faire. De toutes ces informations, enfin de tous ces signes là qui me dirigent vers cette personne, est-ce qu'il va bien? Est-ce que c'est un signe de quelque chose qui va arriver? Est-ce que c'est un signe tout simplement que il y a une période où on pense comme ça l'un à l'autre? Je sais pas, écoutez. J'ai peut-être besoin d'entendre quelque chose de sa part. Ou moi, j'ai peut-être quelque chose à lui dire pour pouvoir enfin finaliser, clôturer et achever cette histoire qui a commencé il y a plus de 20 ans maintenant. Donc voilà, quoi qu'il en soit, c'était une semaine super exaltante parce que à chaque fois je me disais, qu'est-ce qui va encore se passer? Qu'est-ce qui va encore arriver? Est-ce que je vais encore recevoir des... Mais là, vous imaginez quand même, dans une journée, enfin, je ne sais pas si vous rendez compte de l'énormité du truc, quoi. Enfin, moi, ça me fait complètement halluciner. Alors, c'est peut-être moi qui suis folle, hein, j'en sais rien, mais mes collègues, elles, c'est complètement ahuri, quoi. Et je ne sais pas quoi faire de ça. Je ne sais pas quoi faire de ces messages.
Donc, est-ce que ça me ferait plaisir d'avoir ces nouvelles? C'est une évidence, ça c'est clair et net. Le voir ne serait-ce que 5 minutes pour discuter en cam, ça serait super. Mais je sais pas. Bon, écoutez, je vous mets en tout cas le lien du podcast dans la barre d'infos. Donnez-moi votre avis. Est-ce que je suis en état avec sa sœur ou est-ce que je garde pour moi certaines choses? Je sais pas quoi faire. Donc, donnez-moi votre avis. Je vous laisse, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et demain, je vous prépare une vidéo d'épée. Mouah.